Vous vous souvenez peut-être du petit clip que notre ami Nicolas Revuelta a fait sur la fête des voisins, un clip qui a été fait pour la commune de Vernier, qui était en 7 langues. Eh bien, nous y sommes. Voici la fête des voisins. On commence un peu notre périple ici, c'est la préparation. On est aux Libellules. Vous vous souvenez que les Libellules, on était déjà venu un certain nombre de fois. Eh bien, c'est ici que ça va commencer. Et puis après, on ira faire un petit tour dans différents quartiers de Châtelaine. On va aller voir peut-être qu'est-ce qui se passe du côté du Lignon, qu'est-ce qui se passe du côté de Vernier Village. Et puis, on verra aussi peut-être un peu ce qui se passe du côté des Avanchais. Qui a dit que les grands ensembles, il n'y a pas d'ambiance? Ici, on est au 74 de l'avenue du Lignon et je peux vous promettre qu'il y a une très belle ambiance. Thank you.
Allez, Madame Lachat, à votre bonne santé. À nous alors, à mes 70 ans. Hein. Oui, c'était il y a deux jours, c'est ça? Oui, il y a deux jours. Bah, dis donc. C'est votre 70 ans. 70 ans, oui, toutes mes dents. Toutes mes félicitations. Ouais. Ça fait longtemps qu'il s'est passé. Voilà, alors vas-y, assieds-toi parce qu'elle veut discuter avec moi. C'est déjà passé. Ouais. Un petit truc comme ça. Mais c'est très sympa. Uh-huh. Alors, écoutez, vous, ça fait plusieurs années que vous organisez ici ça fait la troisième la année. Des voisins. La troisième année que j'organise, ça fera la quatrième l'année prochaine. Et ça fait un petit moment que vous habitez au Lignon. 42 ans. 42 ans, ça veut dire que vous êtes quasiment parmi les premières habitantes. Toujours. Vous ouais. avez vu construire. J'ai vu construire, j'étais la moitié là. Voilà, c'est ça. Ouais. Et vous êtes heureuse ici? Heureuse comme une pape, vraiment. Donc, vous me disiez qu'il y avait beaucoup de couleurs, beaucoup d'ambiance. Oui, regarde les couleurs qu'il y a là-dessus, regarde. Surtout sous le soleil, c'est beau. Hein. Sous le soleil, c'est magnifique. Et puis ce qu'il y a, je veux dire, il y a tellement de vie là-dedans. Bon, peut-être en bien ou en mal, mais c'est tellement merveilleux. Le soir, quand vous venez, tout est éclairé. C'est un paysage, c'est un tableau. J'aime la peinture. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit avec ce soleil qui voilà. est en train de disparaître. Voilà. Et alors, cette fête des voisins, c'est vrai que ça crée une belle ambiance. Une belle ambiance. Alors, pour bien faire, j'ai invité les deux allées, 74 et 75. Mais ce n'est pas si facile. Il faut aller chez les gens, leur dire, écoutez, c'est en ordre. Et puis après, les gens qui passaient aujourd'hui, je leur ai dit, allez, venez boire un verre. Puis c'est tout. Apportez quand même quelque chose, tu vois. Oui, c'est normal. C'est normal. Et puis voilà, puis regardez voir le monde. C'est magnifique. C'est vrai qu'il y a une très belle ambiance. Voilà. Et on profite de retrinquer encore une fois votre allez, anniversaire. Retrain, allez, on retrinque pour mon anniversaire. À votre bonheur. Et puis, vive la fête des voisins. Vive la fête des voisins. Madame Pictet, on est ici dans la cour, on est chez vous, en plein cœur de Vernier Village. Cette fête des voisins, qu'est-ce que ça vous apporte? Comment? Il y a une belle ambiance? Oh oui, une bonne ambiance, formidable. Et puis ça nous apprend à nous connaître, parce qu'il y a des personnes qui viennent habiter le village, mais on n'a pas l'occasion de les voir autrement. Ils sont dans leur appartement, ils en vont travailler. Tandis que ça réunit tout le quartier. Il y a de toutes les nationalités. Oui, c'est très sympa. De toute façon, Verdier, il y a beaucoup de gens, mais c'est vrai que... comme ça nous donne l'occasion de voir, mais il faut prendre, évidemment, il faut prendre la décision, ça, il faut s'organiser. Un petit peu d'organisation, oui. Mais quand il fait beau temps comme ça, c'est délicieux. Et puis c'est un plaisir de voir comme ça, une belle ambiance. Oui, et puis surtout le cadre s'y prête. Là, dans cette cour, ça ennuie personne. On est... Oui, et puis c'est quand même un village qui est chargé d'histoire. Comment? C'est un village qui est chargé d'histoire. Oh là là, oui. Oui, vous en avez connu quelques-unes. Oui. C'est comme ça. Mais c'est agréable, en oui, tout cas. Oui, c'est vrai. Et puis, oui. Il fait beau temps. Et tous les voisins sont là. C'est le principal. Oui. Mais est-ce que Claire...
Vernier village, changement de décor. Nous étions tout à l'heure dans une ferme très ancienne. On est ici dans le dernier quartier qui est né à Vernier village. C'est le quartier de Chemin de Salle Poussy. Alors, moi, je voudrais vous demander l'ambiance ici. C'est bien ? Comme à la maison. Comme à la maison. On est à la maison. C'est-à-dire qu'on descend de l'appartement, on se trouve avec les copains. Ici, c'est la fête des voisins, mais c'est la fête tous les jours ? Non, c'est pas tous les jours, mais en tout cas, c'est appréciable parce qu'il y a quand même une convivialité dans ces immeubles qu'on ne trouvait pas ailleurs. Moi, j'ai eu habité au bout de la rue du village, où c'était nettement moins convivial. Alors ici, bon, il y a une ambiance, c'est vrai que ça a été calculé pour que précisément il y ait un peu le piéton, les voitures sont plutôt sur l'extérieur, etc. C'est agréable comme ambiance. Surtout pour les enfants. Ah oui. Ouais. C'est ça. Et c'est calme. Et puis les enfants peuvent aussi prendre les petits chemins de main, puis aller à l'école ou bien monter. Un parc là juste en face d'eux. Ouais. Il y a le parc Chauvet, il y a d'énormes possibilités à Vernier. Mais alors ici, bon, un quartier comme ça, vous me disiez. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a une association qui permet d'avoir une vie commune. Parfaitement. Il y a une association des locataires qui s'est créée il y a 2 ans et qui défend les intérêts des locataires, mais qui aussi a fait qu'on se rassemble, on se parle, il y a des assemblées et les gens se connaissent un peu mieux. Voyez-vous, ici, nous sommes des voisins mais il y a d'autres personnes ici avec qui nous discutons, qui habitent les immeubles et qu'on rencontre pour la première fois ce soir. Et alors cette occasion justement de la fête des voisins, c'est de tout à coup parler avec des gens qu'on croise dans l'ascenseur, bonjour, bonjour, et tout à coup on s'aperçoit que ben tiens, c'est un type qui vaut la peine, c'est intéressant de parler avec lui, on peut discuter de choses et d'autres, autrement que bonjour, bonjour dans l'ascenseur. Tout à fait, oui, tout à fait. Et puis en plus de ça, Vernier, c'est quand même une ville, n'est-ce pas? Mais c'est un village ici. Et il y a pour les enfants énormément de diversité d'activités sportives. Il y a des écoles proches, il y a des commerces. Pour les mamans et tout ça, regardez le nombre de jeunes enfants qu'il y a. Est-ce que vous seriez en train de me dire qu'ici c'est le paradis terrestre? Peut-être pas le paradis terrestre, mais un petit paradis certainement. L'antichambre. Voilà. Donc ça veut dire que quand on fait des réalisations modernes, parfois, on les réussit correctement, puis que les gens sont contents d'y vivre. On est contents d'y vivre, oui, tout à fait. Ah ben ça, c'est une bonne façon de voir les choses. Alors, vive la fête des voisins, en tout cas. Merci beaucoup. Il y avait eu des difficultés à un certain moment d'arriver sur ces quartiers précisément parce que certains voisins voyaient le mauvais œil. Filmation et tout, hein. C'est très bien. Qu'est-ce qu'il fait comme ça? Oh, merci pour ton temps. Voilà, caméra. Vernier est une grande commune, la fête des voisins permet de s'en rendre compte. On a vu différents endroits de cette région. Ici, alors, on est dans un petit paradis, Cosette. Je dis Cosette parce que depuis le temps qu'on se connaît, depuis l'école. Oui, tout à fait. Chemin Philibert de Sauvage, alors parle-moi de ton quartier.
Eh bien, c'est un quartier bien tranquille, avec des gens de tous âges. Ouh là là, c'était difficile, ça. Ouais, non, mais elle était bien passée, quand même. Elle est bien passée, très bien. Beaucoup de personnes ont eu leurs parents dans ces petites maisons. Maintenant, c'est les enfants ou les petits-enfants qui ont repris. Donc, on a vraiment des gens de 90... Et des poussières. Et des poussières, voilà. Oui. Et puis et ici, des plus jeunes. Et puis là, on s'aperçoit qu'il y a bien de l'ambiance. Il y a beaucoup d'ambiance. Bonjour, mademoiselle. Et il y a beaucoup d'enfants, comme vous pouvez voir, oui, qui ont profité de la rue ce soir. Pour une fois, qui est fermée. Oui. C'est un événement à Vernier de pouvoir faire fermer Philibert le Sauvage pour précisément cette fête des voisins. Oui. Et quand on pense, nous, jeunes, on jouait comme ça. Il n'y avait pas trop de voitures. Oui, il n'était pas nécessaire de demander, etc. On ne fermait pas la rue. Voilà. Non, c'est vrai. Alors, raconte-moi ici, qu'est-ce qui se passe? Il y a de l'ambiance, il y a beaucoup alors, de gens. Alors, on amène, tout le monde a amené un petit quelque chose à manger. On s'est partagé différentes choses, salées, sucrées, l'apéritif. Ça permet aussi aux gens de parler entre eux, parce que oui. Finalement, traditionnellement, on se dit bonjour, merci, au revoir, voilà, comment oui. Ça va? Puis là, et tout on à parle coup, surtout aux gens qui sont tout près de chez nous. Et puis tout à coup, là, ben, on commence à lier une conversation. Oui, voilà, exactement. Ouais. Et on en profite pour se raconter nos petites histoires. Et puis donc, c'est très sympathique. C'est super sympathique. Bon, on va aller regarder ce qui va se passer un peu voilà. Plus loin. Mais oui. Partout, la commune là-haut, faire des couleurs. Rien. Vous avez fait exprès. Pas de photographe. Mais il est là. Bravo, merci. Oui, mais ils vont encore couper. Hein? Ils vont encore couper. Non, non, ils vont nous donner plus l'année prochaine. On aura deux tables de plus. Ouais. Marco Bandler, on va pas se la partager, ça c'est celle du caméraman, donc on va pas faire trop longtemps parce qu'autrement elle va refroidir. J'aimerais qu'on parle un petit peu du contrat de quartier. Nous on a commencé ici, c'était l'installation, maintenant il y a beaucoup d'ambiance, on a fait le tour de la commune, vous l'avez fait de votre côté, qu'est-ce qu'on peut en retirer? Alors cette année c'est vraiment une année exceptionnelle pour la fête des voisins puisqu'on a plus de 60 sites, 60 collectifs ou 60 personnes qui organisent la fête des voisins en bas de chez eux. C'est un chiffre qu'on n'avait jamais atteint sur la commune de Vernier et ça représente plus de 2500 personnes qui sont ce soir, qui font la fête des voisins avec ce temps magnifique et cette ambiance formidable comme il y a toujours à Vernier. Alors on peut le prouver par l'image, il y a des ambiances dans tous les quartiers. Vous avez un point plus particulièrement qui vous a intéressé? Alors non, tous les points, c'est véritablement sur toute la commune. Tous les quartiers se sont mobilisés. On a beaucoup d'habitants qui nous ont sollicité pour la réservation des bons, pour également les packs de vaisselle compostable que la commune a mis à disposition pour toutes les personnes qui voulaient organiser la fête en bas de chez elles. Et c'est vrai que tous les points sont géniaux parce que chaque fois les habitants s'engagent à organiser la fête des voisins au pied de leur immeuble.
et il y a toujours du monde qui vient et ça apprend à faire connaissance, ça apprend à se connaître, ça apprend aux gens à se dire bonjour tout simplement, et pour ça la fête des voisins c'est vraiment une réussite. Alors on s'aperçoit qu'il ne faut pas un gros effort pour lancer quelque chose. Les gens, finalement, si on leur en donne l'occasion, ils adorent faire la fête. Exactement, c'est tout à fait l'esprit de la fête des voisins. La fête des voisins, c'est quelques tables, quelques assiettes, chacun amène un petit peu une spécialité de chez lui, un petit buffet, une bouteille de quelque chose à boire, et c'est comme ça que ça fonctionne. Et ça fonctionne extrêmement bien. Et alors, on peut dire que le prolongement maintenant de ces éléments de fête des voisins, il y a aussi quand même toute cette question du contrat de quartier. Bien sûr, très bientôt, c'est Châtelaine. Tout à fait. Alors, la commune de Verny lance en 2010 son troisième contrat de quartier. Après le succès du contrat de quartier d'ailleurs le Lignon qui existe depuis 2005 et le succès formidable du contrat de quartier des Avanchets qui existe depuis 2008, l'intention du conseil administratif était d'étendre le concept du contrat de quartier à l'ensemble des autres quartiers de la commune, c'est-à-dire normalement bon, 2010 à Châtelaine-Balexer. L'assemblée générale aura lieu, pour celles et ceux de Châtelaine-Balexer qui nous écoutent, le 3 juin, tout à fait, à 19h, à l'école de Châtelaine, au 84 avenue de Châtelaine. Absolument. Et pour les autres quartiers, Verny Village et les Libellules, ce sera pour les années qui suivent. Et alors, on peut imaginer qu'avec le même succès, et puis avec les mêmes résultats, on peut souhaiter qu'il y ait de nouveau de très grandes fêtes. Par exemple, sur Verny Village, on se souvient qu'il y avait une certaine époque la Vogue, il y a des fêtes des fédérations des musiques. Donc, on peut essayer de reconstruire quelque chose. Tout à fait. Le principe du contrat de quartier, c'est de faire que les gens s'entendent, c'est d'avoir des projets collectifs. Et les fêtes de quartier, les fêtes de village sont typiquement des projets qui rentrent dans les objectifs des contrats de quartier. C'est vrai que c'est quelque chose qui s'est souvent fait. Aux Avanchets, on a la fête Bien vivre ensemble aux Avanchets qui aura lieu le 5 juin, qui est financée en partie par le contrat de quartier. On en a eu également au Lignon. Il y a la fête de la Platale qui aura lieu le 25 et 26 juin, si je ne m'abuse, qui est une immense fête pour fêter le Lignon. Donc on a énormément de fêtes qui vont se faire sur Verny, grâce notamment au contrat de quartier, parce que la fête, c'est d'abord un moment pour se rencontrer, pour se connaître. Et c'est pour mieux vivre ensemble, et c'est vraiment le mieux vivre ensemble qui est l'objectif des contrats de quartier sur la commune. Ça veut dire qu'on a un certain nombre de rendez-vous qui sont encore sous l'agenda, et par conséquent, on va bientôt se revoir. Bien entendu, j'espère, c'est toujours un plaisir d'en discuter avec Canal 29. Et maintenant, tu peux manger ta paella. Elle est super bonne. Je regrette pas d'être venu. Nous avons appris de sources sûres qu'il y a eu plus de 700, je dis bien 700 repas, paella en l'occurrence, servis ce soir. Je me régale. Voilà.